Est-ce que le Père Noël est passé par notre animalerie magique, papa? Est-ce que je vais avoir un animal magique? Je ne peux rien te dire, Mila. Les affaires du Père Noël sont des affaires secrètes. Ouvre ton cadeau et tu verras bien s'il y a un animal magique. Waouh! Alors, c'est quoi? C'est... rien du tout. Tu es sûre de ça? Oui, il n'y a rien là-dedans. Tu devrais regarder encore une fois. Waouh, waouh, waouh! Le cadeau est un animal magique! Il s'appelle Morphle et je vais te montrer pourquoi. Bonjour, Morphle! Morphle, change-toi en chat. Waouh! J'ai un chat! Morphle, transforme-toi en cheval. Oui, j'ai un cheval! Morphle, change-toi en dinosaure! C'est le meilleur Noël de tous les temps! Tu es le plus beau cadeau du monde, Morphle! Tu peux te transformer en tout ce que je veux! Change-toi en télé! Oui! Ennui! Tu n'aimes pas être une télé, Morphle? Morphle n'aime pas être une télé. Morphle, change-toi en toi-même. Morphle? Ah! Alors ça, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire, Morphle? Morphle? Morphle ne sait pas. Ok, je vais te montrer des trucs amusants pour Noël. Et tu me diras ce que tu préfères. On peut faire un dessin pour le Père Noël? Ou nous pouvons décorer le sapin de Noël? Tu peux faire un bonhomme de neige. Morphle, change-toi en pelleteuse. Maintenant, fais un bonhomme de neige, ici. Il est super beau! Morphle aime la neige! Morphle aime la neige! Tout, 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 tout! Tu peux être tous les cadeaux de Noël à la fois, Morphle! Mais tu sais ce que je préfère le plus? Pelleteuse? Non! Télé? Non. Chat? Non, Morphle. Le plus beau cadeau, c'est d'avoir un nouvel ami. Mila, Morphle, ami. Morphle, Mila, ami. Allez, lançons encore des boules de neige. Morphle fait boule de neige. Grosse boule de neige. Oh, oh. C'était quoi, ça? Oh! C'était quoi, ça? Bonjour, Mila. Oh non, Père Noël. Je suis désolée qu'on t'ait frappé avec la boule de neige. On jouait, c'est tout. Oui, c'est très amusant de jouer avec de la neige. Mais regarde, mon traîneau est tout cassé. Maintenant, je ne peux plus apporter des cadeaux aux autres enfants. Père Noël, tu m'as apporté un animal magique comme cadeau de Noël. Tu te souviens? Il peut se transformer en nouveau traîneau.
Ça me paraît être une très bonne idée, Mila. Morphle, transforme-toi en traîneau. Oh oh. Hein? Morphle, tu es un animal magique. Tu es censé te transformer comme on veut en n'importe quoi. Morphle, animal magique de Mila. Oh, oui, bien sûr. Mila, c'est toi qui dois demander à Morphle de se transformer en traîneau. Morphle, transforme-toi en nouveau traîneau pour Père Noël. Et maintenant, ajoute des ailes au traîneau. Et maintenant, un moteur à réaction. Et deviens plus gros pour que les rennes puissent aussi monter dans le traîneau. Ok, Morphle, allons-y! Morphle. Morphle, entendre du bruit. Regarde, Morphle, le Père Noël nous a apporté un cadeau. Cadeau! Qu'est-ce que ça peut bien être? Hein? Oh non! Encore ces voleurs! Oh non! Ils aspirent les cadeaux! Oui, on est des voleurs! Et on aspire tous les cadeaux! Maintenant que c'est Noël, nous sommes les voleurs des cadeaux de Noël! Morphle, transforme-toi en avion pour qu'on puisse les poursuivre! Je n'en peux plus d'attendre. J'ai hâte d'ouvrir tous les cadeaux que les gens ont reçus cette année pour Noël. Ouais. Oh non, ils vont bientôt nous rattraper, Stein. Je sais comment nous pouvons nous en débarrasser. Oh, c'est mon cadeau de Noël. Oh non, vas-y, Morphle. Wow. Bonjour, Mila et Morphle. Oh, Père Noël, tu as sauvé notre cadeau. Oui, mais les voleurs de cadeaux de Noël ont encore tous les cadeaux de la ville et je ne sais pas où ils les cachent. Dans quelques heures, ce sera le matin de Noël. Tous les enfants de la ville seront tellement déçus quand ils se réveilleront s'il n'y a pas de cadeaux sous le sapin de Noël. J'ai une idée. Et voilà. Il y a un autre cadeau. Ça doit être le dernier. Suivons-les. Attention, nous ne devons pas faire de bruit. Chut.
Regarde-moi tous ces cadeaux. Ouvre-les tout de suite. Ho, ho, ho. Vous voilà, voleur de cadeaux de Noël. Oh non, c'est le Père Noël. Allez, allons vite rapporter tous les cadeaux. Allons-y, Morphol. Merci beaucoup, Mila et Morphol. Grâce à votre aide, tout le monde va pouvoir fêter Noël et recevoir ses cadeaux. Oh, j'allais oublier. Oh, merci, Père Noël. Ho, 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 joyeux Noël. Hein? Joyeux Noël, messieurs. Joyeux Noël. Morphol, transforme-toi en reine du Père Noël. Ça, ça ne ressemble pas du tout à Noël. Mais je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Atmo! Bonjour Atmo! Pourrais-tu faire tomber la neige sur la ville pour que ça ressemble vraiment à Noël? Maintenant, nous allons faire tomber la neige sur toute la ville. Qu'est-ce que tu fabriques, Morphol? Bonhomme de neige. Waouh, ça a l'air amusant. Bonjour, professeur Rachid. Quelque chose ne va pas? Bonjour, Mila et Morphol. Finalement, on dirait qu'il va y avoir de la neige pour Noël cette année. Mais là, c'est un petit peu trop. Ça cause des ennuis dans toute la ville. Oh, ne vous inquiétez pas, professeur. Atmo peut faire fondre une partie de la neige. Oh non! Atmo est parti! J'ai une idée. Avec ma dernière invention, je vais animer ces bonhommes de neige. Et avec leur balai, ils pourront enlever toute la neige qu'il y a en trop. Waouh ! Super ! Ça se passe très bien. Mais sais-tu ce qui pourrait enlever la neige encore plus rapidement? Un bonhomme de neige géant! Morphol, transforme-toi en bulldozer pour ramasser la neige et faire un bonhomme de neige géant!
Bonjour, grand bonhomme de neige. Il y a trop de neige dans la ville. Peux-tu nous aider à enlever toute cette neige? C'était quoi ça? Allons voir ce qui se passe sur Morphol. Oh non! Si cette boule de neige géante frappe la ville, tout sera à nouveau recouvert de neige. Morphol, robot! On dirait qu'on est arrivé juste à temps, Atmo. Atmo était avec toi, Père Noël? Eh oui, quand j'ai vu qu'Atmo pouvait créer de la neige, je lui ai demandé de faire tomber de la neige un peu partout dans le monde entier. Des bonhommes de neige vivants? Waouh! Quand Atmo a disparu, les bonhommes de neige ont aidé à nettoyer tout le surplus de neige. Mais maintenant qu'ils ont enlevé la neige, les bonhommes de neige n'ont plus d'emploi. Eh bien, j'aurais bien besoin d'un coup de main au pôle Nord pour m'aider à préparer Noël. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez m'aider? Ho, ho, ho! Oh non! L'étoile du sapin, elle a été volée. Et pire que tout, le commissaire Peter Freeze est parti en vacances. Non! Ah, vive les vacances et vive la montagne! Morphol et moi, on pourrait essayer de résoudre ce vol. Morphol, change-toi en chien policier. Pas dans ma ville! Ça doit être un indice. Ah,
messieurs Vanderbus. Est-ce que vous avez pris l'étoile du sapin sur la place de la ville? Je n'ai pas volé cette stupide décoration de Noël, mais j'applaudis la personne qui l'a fait, parce que je déteste Noël. C'est fait pour les mollassons trop sensibles. Toutes les traces laissées dans la neige mènent à vous. Avouez, voleur d'étoiles de sapin. Ah oui, on était sur la place de la ville, mais on n'a pas volé l'étoile du sapin. Ah non, 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 on a volé quelque chose de bien plus précieux que ça. Parce que cette fois, nous sommes les voleurs de neige. Il faut trouver une autre piste. Regarde, Morphol, c'est le pirate qui l'a. Oui. Parti, parti. Il est dans le bus. Change-toi en voiture de police. Oui! Burke, je déteste Noël. C'est tellement ringard. Tu trouves pas, Phil? Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a? Explique-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, parle! J'ai pensé que comme c'était Noël, je t'ai apporté ça. C'est marqué... Meilleur chef pirate. Hé! Mais c'est pas l'étoile du sapin! Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais reçu de cadeau de Noël avant. Joyeux Noël, Maurice! Eh bien, joyeux Noël, Phil. Oh non! Cet oiseau a volé le cadeau de Noël du pirate! Morphol, change-toi en hélicoptère de police! Oui! Regarde, Morphol, Lapi a aussi volé la vraie étoile et l'a mis dans son nid. Méchant oiseau, méchant oiseau. C'est pas sa faute. C'est une pie. Elles sont toujours attirées par les objets qui brillent. Oh, Lapi triste. Oh! Attends, j'ai une idée! Mmh.
Poppy aime les objets brillants. Elle pourrait faire son nid dans l'arbre de Noël. Transforme-toi en traîneau du Père Noël. Oh. Papa, j'ai invité tous les animaux magiques pour qu'ils puissent se joindre à notre réveillon de Noël. Oh, Mila, c'est une idée merveilleuse. Mais Tante Augustine arrive et elle... Mais que font tous ces animaux magiques ici? Bonjour, ma chère nièce. Mon frère, je croyais qu'on était d'accord. Le dîner de Noël, c'est seulement pour les humains. Et pas pour les animaux magiques. Je crois que Tante Augustine n'aime pas les animaux magiques. Allez, nous avons un dîner à préparer. D'accord. Je suis désolée, les amis. D'abord, la purée de pommes de terre. Donne-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Hein? Oh! Eh bien, les pommes de terre sont en purée. Ce n'est pas drôle, mon frère. Je t'avais dit que nous aurions de la neige pour Noël cette année. Brûle. Tu es le pire aide-cuisinier que j'ai jamais eu. Pourquoi n'irais-tu pas attendre dans le salon? Je vais m'occuper du dîner. Je ne comprends pas pourquoi Tante Augustine n'aime pas les animaux magiques. Noël est une fête familiale. Et nos animaux, eux aussi, font partie de la famille. Morphole manque d'amis. Le dîner est prêt. Tu dois rester ici, Morphole. Mais je vais te garder du gâteau, d'accord? Oh! Ce n'est pas grand-chose. Mais ça fera l'affaire. Hein? Oh non, notre repas de Noël est fichu. Je sais qui peut nous aider. Ok, tes nouveaux aides de cuisine vont te donner un coup de main. Que veux-tu qu'ils fassent? Bien, il faut nettoyer la cuisine. Atmo, c'est ton boulot. Et maintenant? Eh bien, nous avons besoin de nouvelles pommes de terre. J'en ai encore à la maison, mais c'est trop loin.
Téléfox peut aller les chercher. Et le four est cassé. Morphle, transforme-toi en four. Oh, je n'ai jamais... Ok, les amis. Aidons Tante Augustine à préparer le dîner. Oh. Wow. J'ai passé un bon moment. Les animaux magiques ne sont pas aussi mauvais que je le pensais. Surtout celui-ci. Il a été d'une grande aide pour la cuisine. Tu sais, Augustine, Sporky est toujours à la recherche d'un nouveau foyer. Vraiment? Qu'en dis-tu, Sporky? Tu veux être mon animal de compagnie magique? Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant le début de la nouvelle année. Feu d'artifice! Waouh! Morphle, nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis cette année. Alors, change-toi en maison volante pour qu'on puisse aller chercher tous nos nouveaux amis et fêter le nouvel an. D'abord, on va chercher Phoebe. Bonjour, Mila et Morphle. Bonjour, Phoebe. Morphle et moi passons chercher tous les nouveaux amis que nous nous sommes faits cette année pour célébrer le nouvel an. Tu veux venir avec nous? C'est une idée géniale! Bien sûr que je viendrai avec vous! Le prochain que nous devons aller chercher vit lui aussi dans les montagnes. Géant des montagnes! Bonjour, géant des montagnes! Nous rassemblons tous nos nouveaux amis pour fêter le nouvel an. Aimerais-tu venir avec nous, toi aussi? Allons-y, Morphle! Je pensais que leur nouvelle maison était ici. Des dinosaures jouets! Ouais! Voulez-vous venir avec nous aussi? Oh non! Les dinosaures jouets ne rentreront jamais! Morphle! Il faut agrandir la maison! Super! Prochain invité... La voilà! Shelly la sirène! Allez, c'est parti! Bonjour, monsieur le maire! Quelque chose ne va pas?
Bonjour, Mila. Quand nous sommes arrivés ici pour fêter le nouvel an, tous les feux d'artifice avaient disparu. Oh non! Je crois que je peux aider avec ça. Morphol, transforme-toi en avion. Avec ma nouvelle invention, je peux inverser la gravité de tous les objets que je vise. Visez-moi, professeur Rachid. Morphol aussi. Avec ce miroir, je vais pouvoir me viser moi aussi. Non, non d'une éprouvette. J'ai oublié de viser le zapper. C'est notre chance. Oh non! À partir de maintenant, nous serons les voleurs de gravité. Morphol, il faut les suivre. On devrait peut-être aider cette dame, Morphol. Maintenant, arrêtons ces voleurs, Morphol. Hé, pas dans ma ville! Oh, oh, oh! Morphol! Transforme-toi en avion. Regarde, ils sont au magasin d'animaux magiques. Avec ces zappers, on peut voler tous les animaux magiques que nous voulons. Ah, j'ai l'air en pleine forme aujourd'hui, non? Qu'en penses-tu, Monsieur Miroir? Absolument, vous l'êtes. Oh les mains! Donnez-nous tous les animaux magiques! Non! Non! On va prendre ça. Bleh.